Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur WWE 19 du week-end, bien entendu, parce que ce soir, la nuit de dimanche à lundi, à 23h pour le kick-off et à 1h du matin pour le show, c'est WrestleMania. Et là, on est sur le main event. Et ce qui est drôle, c'est qu'à droite, on a Asuka. Et je me dis que c'est celle qui va manquer. Est-ce que ça aurait pas été plus juste et pourquoi pas aussi bien d'avoir Asuka pour un Fatal 4-Way? Au lieu d'avoir un triple menace. J'en parlerai dans ma vidéo qui parlera de WrestleMania, etc. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà. Bon, un triple menace, c'est très bien, hein. La promo était top et ça donne envie. Mais avec Asuka en plus, ça aurait pu être tout aussi cool, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va faire le combat, bien entendu, entre Becky Lynch, Charlotte et Ronda Rousey. Allez, on est parti. Bien entendu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous savez la routine, comment ça se passe. J'ai pris Charlotte parce que, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, je pense que Charlotte va avoir les deux titres. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. On sait tous normalement que Ronda Rousey, après WrestleMania, elle prend une pause. Je me répète un peu. Becky Lynch, tout le monde veut l'avoir championne, etc. Je suis pas contre, hein. Mais je sais pas. La WWE aime bien jouer avec le sentiment. Donc je pense que ce soir, on aura soit Kofi champion, soit Becky Lynch. Mais on n'aura pas les deux. Voilà. Faudra faire un choix. Et on verra. On verra. Quoi qu'il arrive, ce sera un beau match, hein, ça c'est une certitude. Mais ça me ferait sourire que Charlotte soit la première femme à avoir les deux titres, si je dis pas de bêtises. Et si j'en dis, bah, excusez-moi, hein, ça arrive les erreurs, comme tout le monde. Pour l'instant, on a une Ronda Rousey, ok, c'est bon, c'est bon. Moi j'étais venu tranquille, hein. J'étais pas là pour faire des bêtises. Je te glorifiais, ou pas. Lâche-moi maintenant. Voilà, battez-vous entre vous là. Mais comme je dis, ouais, on a vraiment une Ronda qui a pris zéro coup pour l'instant. Elle a mangé aucun coup. Donc ça va être ma cible. Et j'espère que ce sera aussi la cible. Ah, oulala. Ça picote, hein. Elle est en train de montrer sa supériorité. Mais je sais pas. Je le sens pas. Bon, c'est facile. Hein. Voilà. Ça passe. Faut juste me laisser passer la première. Et quand la première sera passée, voilà. Ça va être bon. La première à droite, et ça repart. Bien joué. Ah bah Becky en même temps. Là on doit se mettre ensemble. On doit pas se taper l'une contre l'autre. Voilà, moi je me tire. Je roule, je roule, je roule, je roule. Voilà. Je soprano. D'ailleurs, roule, c'est le mot magique de cette vidéo. Tant qu'à faire. Voilà. Je prends du recul. De toute façon, un triple menace c'est souvent comme ça. Hein. T'as toujours une superstar qui est dans les vapes. Les deux se tapent et une fois, voilà, vous avez compris. Tiens, j'arrive. Hop là. Putain, ça se relève vite, dis donc, Ronda. Alors. Voilà, reste au sol. Je te dirais même, si tu veux. Hop. Voilà. On va voir si j'y suis. Voilà. Ça, c'est la Charlotte qu'on connaît tous. Forte, puissante, rapide, technique et plein d'autres choses. Allez. Va d'abord sur le ring. Lui quand même. Je l'ai eu. C'est pas évident. Voyons, qu'est-ce que tu fais là. Eh ouais. Ce qui est bien avec Charlotte, c'est que par rapport aux stars féminines, elle est assez grande. Du coup, elle a une meilleure allonge, je trouve. Bon, ça se voit pas tellement que ça. Pas tellement que ça. Ça se voit pas trop, mais suffisamment quand tu joues. Pour être appréciable. Non. Ah, tu nous auras pas comme ça. Hein. Oh, bien joué. Je le tire. Non mais... pourquoi? Voilà. Ah mais j'ai dit... Ok. Salut. Bisous. Y a pas... Par contre, il n'y a pas de décompte. Mais ce qui est intéressant aussi d'un match triple menace, c'est qu'on a le droit de prendre des objets. Enfin, le peu d'objets qu'on a sur le ring. Un escalier. Une batte de baseball. Un kendo stick. Je vais voir ce qu'il y a. Parce que c'est dans les règles. Un sledgehammer. Dédicace à Triple H. Moi d'abord, ce coltiner Ronda. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est elle qui est surboostée, survitaminée ce soir. Et il faut qu'on la calme un petit peu, que si on la calme pas. Oh. Tiens. D'accord. Tape là. Comme ça. Voilà. Maintenant, tu peux taper Becky ou lâcher l'objet. Je te laisse choisir. Bien joué. Tiens. Attention, monsieur l'arbitre.
parce que les coups peuvent pleuvoir, d'accord? On y va. Tout à l'heure, on s'était un peu loupé. Cette fois-ci, on se loupera pas. Par contre, il faut faire attention parce que on n'a pas beaucoup d'endurance. Donc on récupère, on se met en forme. Elle est un petit peu loin, mais on sait tous que Charlotte... Un peu comme Nathan. Je vous l'ai dit, Charlotte, elle est là. Pleine puissance. On est parti pour le spécial. Attends. Son spécial, il se fait en courant, Charlotte, je sais plus. Oui, c'est le spear. Je pense que son spécial, c'est le spear. Ou quoi? Ah, ok, bah... Ah, mais ça qui est compliqué. Quand t'as un spécial où faut courir... Oh, mais... What? Ah, c'est téléporté! Ah non, 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 là, je suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. Ça me fait reposer. Je peux garder mon spécial. Becky fait son finisher. Bon, logiquement, voilà. Re-break et même... hormis ça, je pense que Ronda n'aurait pas abandonné. Faut pas abuser. Ça m'a quand même fait peur. Voilà. Je la copie derrière. Juste pour annuler les effets. Alors c'est Becky, hein. Ouais, en train de faire sa revenge. C'est une très bonne chose. Non, non, non. Ok, c'est un spear qui n'a ni queue ni tête. Mais c'est pas grave. C'est passé. On est bien. Attention, 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 attention. Et voilà. Je pense qu'on peut tenter un tombé. Et si on joue un petit peu le côté... on est déjà champion de SmackDown. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. On peut faire encore plus mal. Que la Becky, elle est... Ok. Elle est pas si mal. Mais je sens qu'on peut aller plus loin dans l'exercice. Ouais. J'ai le retour. Hop. Tiens. La pauvre, elle se prend vraiment tout dans la face. J'ai perdu qu'elle a pas annulé mon retour. Ok. Tiens. Oh, bien joué. Ok. Je reviens plus tard. Ah, mais si elle fait le tomber sur Becky, c'est pas drôle. Non, de toute façon, elle a des révoltes. Mais... Je dis non. J'ai pas fait tout le boulot pour que tu fasses ça. Ouh là là. J'ai mal pour son coup. Tiens. Voilà. C'est ce qu'on apprécie, ça. On lui enchaîne toutes les prises du monde. Becky, toi, s'il te plaît. Oh, mais Becky, voyons. Ça va. Là, on a rétabli un équilibre. Que là, toutes les superstars ont... On va dire la même énergie. Il reste pas grand-chose. Ah ouais. Tiens. On peut le jeter. Je vais pas le jeter, attends. Pose ça ici. Voilà. Tranquillou. Là, c'est un match d'endurance. Je voulais juste le faire durer un peu plus, parce que je me dis, voilà. Bat Becky aussi facilement. Et j'ai envie de faire le tomber sur Ronda. Je sais pas pourquoi. Je dis ça alors que tout à l'heure, je le ferai peut-être sur Becky, mais... J'ai envie de le faire sur l'actuelle championne. Parce que si je le fais sur Becky, voilà, on va contester mon titre, ma victoire, et tout ce qui va avec. Enfin, est-ce que tu peux, voilà, venir ici? Je suis une déménageuse, bonsoir. Oh, le coup qu'elle lui a mis! Mais c'est violent, je trouve. Franchement, je trouve que c'était d'une violence. Non, non. Becky, calme-toi. Hop là, reste au sol. Toi aussi, non. La prise de trop. Tout le temps. Ça, c'est bien, ça. Ah là là. Ça contre sur contre. Ah. Ok. Merci, moi. Je sais déjà mort. T'aurais pu m'aider à rester debout. À veut se venger. Ça me plaît, ça. La vengeance, j'aime bien. Par contre, il aurait peut-être fallu que je contre. Attention. Voilà. Oh, d'accord. J'ai réussi à lui enlever. Par contre... Attends. Elle a pas le spécial au sol, elle. Hein. Ouais, d'accord. Très bien. Alors, maintenant... Oui, mais... Je l'ai dit tout à l'heure, c'était quoi son spécial? C'est le spear. Voilà. Tiens. Bah ouais. Par contre, attention, il y a Becky derrière toi. Il y a Becky derrière toi. Attention. Voilà. Ronda. Je suis désolé. On y va. Ça y est, j'ai assez attendu. C'est le moment de te faire déguster.
Comme ça, si je gagne, ce sera une victoire sur toi et pas sur Becky. On n'aura pas besoin d'en parler plus. Attention, et bim. Normalement, le tombé. À road break pas. Je dis à road break pas. Et à la road break. Elle avait pas un finisher au niveau des jambes. Ah, j'étais quasi sûr. Non, c'est pas grave. Non, non, t'inquiète. On est bien. On garde un spécial sous le coude. Voilà. Si c'est pas elle, c'est elle. Et bim! Allez, comme à télévision. D'accord. Ou pas. Ah oui, mais en même temps, j'étais pas en train de lock Ronda. Du coup, elle va taper dans le vide. En fait, je voulais taper les deux de deux côtés, tu vois, ça aurait été stylé. Comme à télévision, comme je dis souvent, voilà. Non mais. Debout! Vilaine! Alors, là, faut que ça fonctionne. Oui, ça a fonctionné. Parfait. C'est le moment. Les petits loups, je vous le dis. Désolé, Becky. Maintenant, c'est toi, Ronda. C'est elle que je veux. Remonte. Remonte sur le ring. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Normalement, Becky, elle mettra un petit peu de temps pour se relever. Quoique, je sens qu'elle est prête pour se relever. Allez, viens là. Dès que tu viens, c'est fini. Ouais. Voilà, non, même pas. On va rester sur... On va rester là. Oh non, ça me plaît pas, ça me plaît pas du tout. Non. J'attends de voir ce qui se passe. Mais non, c'est la pire chose... Non, mais c'est une blague. C'est la pire chose qui aurait pu se passer. Parce que là, non. Sur le tombé, ça va. Normalement, Ronda, voilà, elle se relève. Mais là, Becky, elle a un finisher. Donc, est-ce que je vais avoir le temps... Si, normalement, j'aurai le temps de me lever. Normalement. Voilà, ou faites ce que vous voulez. Ou Ronda peut faire un spécial, ou... Prenez votre temps. Tranquille. Par contre, est-ce que je peux remonter sur le ring, s'il vous plaît? Ils m'ont pas laissé remonter, hein. Attends, j'ai bien couru. Ok. Tu veux pas me laisser cette prise, s'il te plaît? Tiens. Becky. Je suis désolé. C'est pas contre toi. Ça fait tellement mal à voir. Allez, viens là. Parfait, ça. Oh, franchement, c'est... Là, j'ai mal pour elle. Mais tout à l'heure, on avait... Attends. Faut bien qu'on la mette au milieu du ring. Et il y en avait un au milieu, il me semble. Alors, attends. Ou elle avait peut-être un qui était au coin, non? C'est bizarre. Tout à l'heure, il y avait écrit un tombé. Bon, c'est pas grave. Viens là. Ah, mais j'ai peut-être attendu un petit peu trop longtemps là. Ouais, Becky, elle attend. Ah, mais c'est pas drôle. Parce que là, Becky, on va attaquer directement. Ou pas. Et c'est fini. Ronda. Ça passe comme. Une lettre à la poste. Par contre, l'arbitre, oui, prends tout ton temps si t'as envie. Y'a pas de. Non. Tu reviens là. Moi, je te le dis. Ça passe pas une fois. Ça passerait une seconde fois. Becky, elle est KO de toute façon. Non, elle est pas KO. Elle est pas du tout KO, Becky. Elle est pas du tout KO. Mais je lui fais ce qu'il faut lui faire. Voilà. C'est bon. On pourra pas dire que je me suis pas occupé des deux. Y'a pas de révolte. Y'a rien du tout. Normalement, c'est bon, victoire de Charlotte Flair. Elle a les deux titres maintenant. Bon, dans le jeu, j'ai pu en choisir que un. J'ai pas réussi à faire les deux. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that, you've done something right. The crowd here tonight certainly seemed to appreciate the efforts. What a great match.